jërëngën jëf téléspectateur yu Ndar TV ak infotv.net ñu and ak yeen ci sen plateau électoral tay ñuy fassiyéné dalal Abdoul Aziz Seck. Abdoul Aziz Seck dit un grand responsable politique de Keur Daouda Sarr. Ñu am yéené waxtaan ak mom mo xamal ñu kat moy Abdoul Aziz Seck wante aussi ci yëngum ci walu politique wante aussi mu défal ñu jangatu actualité politique bi ci diwan bi. Abdoul Aziz, assalamu alaykum. Wa alaykoum salam, ma ngi len di nuyu di len ziyara wa di nuyu sen ñi nga xamne ñu ngi len di sétane à travers le net ñep ma ngi len di nuyu di len ziyara di nuyu vraiment Ndar TV di wax ne ma ngi am mbekté aussi si li ngeen ma dalal pour ñu waxtane l'actualité bi nga xamne mo am actuellement à savoir les élections locales. Donc c'est un plaisir pour moi de dire d'autant plus que c'est peut-être une deuxième fois que nous avons d'autres pour l'intérêt supérieur en tout cas de la zone et du Sénégal de manière générale. Jerejef Abdoul Aziz Seck di Fatiline homme politique le de Keur Daouda Sarr nek ci commune bu Sangalkam. Ci lolu rek xamna ne ngir suñu téléspectateurs yi xam kan moy Abdoul Aziz Seck bëggon nañ un peu nga rek défal ñu un petit résumé ou Abdoul Aziz Seck. Très bien, merci beaucoup. En fait Abdoul Aziz Seck je suis né ici à Keur Daouda Sarr. Donc j'ai grandi à Keur Daouda Sarr fi la jangé école Keur Ndiaylo. Donc jangé tengé lycée Ablaye Sadji université tout ça. Donc fi mom fi la deuk aussi sur le plan politique aussi ma ngi yëngatu ci parti bi nga xamné moy Alliance pour la République APR nek aussi dans la coalition Benno Mbok Yakar nek au moment où je vous parle je suis conseiller municipal dans la commune de Bambilor mais présentement avec le nouveau réaménagement on a quitté Bambilor pour maintenant aller à Sangalkam. Ce qui veut dire que ma nouvelle commune maintenant c'est la commune de Sangalkam. Donc je suis un responsable dans la commune maintenant de Sangalkam. Et voilà, mais moi on sait que Sangalkam, Bambilor, buñu ko tuddé ci walu politique rawatina ak Abdoul Aziz Seck dafa am ay histoire yo xamné mom lay fatali. Tay ji fan ngeen tollu ci xex bi ngeen xamné yeen nga doon xex. Wow. En fait, vous savez, effectivement, bon, dans cette zone-là, on a dit que depuis que nous sommes tout tank du politique, nous avons porté des combats. Vous savez, c'est pour l'intérêt supérieur au gox bi lay doon. Te li may wax ni amna ño xamné xamnañ li may wax. On a toujours combattu pour suñu gox bi am avancement. Depuis biñuy nek jeunesse socialiste lañ mass di xex suñu gox bi am ki parce que fi bu len setlo toujours au tengé yenen zone yi ño doon polariser lu bari mais légui gox bi dam na ba am autonomie am ñepp reconnaître que té lolu c'est des combats de longue haleine yu nga xamné ñi fi nek tay à savoir le ministre Omar en quelque sorte maire de Sangalkam joué na ci ben rôle bu am solo maintenant ñun aussi à ce niveau là def nañ li nga xamne mom lañu waron def à ce moment ben moment nak dañu amone ben combat politique bo xamne bi ñun dañ ko porté won dans la zone depuis 2013 ñu am un collectif pour la communalisation des 5 villages c'est un acteur principal par rapport à ce combat là que nous avons mené de 2013 ba 2021 ñu gis né maintenant li ñu bëggoon mo doon am une commune de plein exercice mais finalement à l'arrivée amul commune parce que le président de la République a décidé de corriger certaines incohérences territoriales et ci cadre bobu on nous a rattaché à Sangalkam et bon voilà maintenant comme rattaché nañu Sangalkam aussi ñu ñëw actuellement ci suñu commune pour continuer le combat bi moy le combat qui vaille c'est le combat du développement moy combat xex pour gox yi li ñu manké won ñu am ko manam école yi gëna yok xalé yam fuñu jàngé ñu tabax ay poste de santé ay tabax ay dispensaire ay district sanitaire défar ay stade défar ay terrain de football pour xalé yi manam fexé ba ndaw ñi manam gis seen bop ci gestion de la collectivité
collectivité. Et je crois que lolu moy li nga xamné mom motax kuy politique en fait lolu mo la taxa jog. C'est dans ce sens là que actuellement ni on est en plein dedans dans la nouvelle commune en tout cas de Sangalkam. Voilà, di fatte rek ne yene ngi suivre sen émission plateau électoral. Tay ñu dalal Abdoul Aziz Seck nek responsable politique comme nimo ko waxé bu APR fi ci Kër Daouda Sarr nga xamantene ci commune bu Sangalkam la nek waxtu wi gëna buñu ko taxalé ak commune bu Bambilor. Ci lolo ñu gis ne amna ay moment yo xamantene moment yu tang la won yagul dara ci commune Sangalkam ndax nak yeen mouvement bi nga xam tuddugo ko legui liñu taxawoon moy naka lañuy def ba am seen commune bop ñu gis ne à un moment donné le choix a été fait et que voilà ñu choisir comme quoi que seen village yi soxla won commune dañ leen di retacher ci Sangalkam gi nga xamantene fa ngeen jëkona nek la ta ngeen di dem Bambilor à un moment donné am nañu doon wax plus jamais Bambilor et jamais fi nga xamantene moy Sangal pile de voilà donc aujourd'hui fa ngeen tollu ci xex bobu est-ce que day wané né li nga xamantene moy correction yi ñu apporté satisfaire na len de tout ce que faté ngeen xex bi ngeen démarré won vous savez xam nga politique aussi des fois day am ay combat yo xamné dang koy mener mais avec réflexion, avec toute la rigueur nécessaire pour am lolu. Mais xam nga nous sommes aussi dans un état de droit. Ñun aussi dañu bok ci ay courel, bok ci ay parti. Li nga xamné mom lañ doon xex, biñ koy xex, bobu amul won coloration politique. Dañ jappone né ñepp ci dak bolo ñu diko xex pour éventuellement jappané lolu buñ ko amé mo gën ci ñun ñu am suñu commune bop. En fait lolu lañ ko doon xex, mais dafa am ben affaire bu may rappeler rek. Moy il faut que ñu comprendre aussi que né bi ñëwé ba décision bi état bi ñëw indi une décision moy finalement rattacher ces villages là à Sangalkam. Il faut ñu rappeler un peu l'historique lan mo indi tay problème yoy am parce que en fait bu ngeen sétlo fi dafa amone ce qu'on appelait l'ancienne communauté rurale de Sangalkam. Mais vous savez moment yi nga xamné en 2011 bi ñuy défa découpage bi parce que bu len faté né chaque fois dañ doon yobbu ay délégation spéciale la communauté rurale de Sangalkam. Mais en 2011 bi ñuy défaté le dernier découpage là bi nga xamné mom mo tax ñu daggañu en quatre parties ba mu indi ce qu'on appelle les 4C moment bobu après dafa amone ben injustice aussi bu nga xamné la communauté rurale de Sangalkam subiron nako et bu mané communauté rurale de Sangalkam du Sangalkam kessé ño subiron ce tort là mais l'ensemble des villages yi nga xamné ño ñom la Sangalkam ëmbon ñom ñep loolu lañ defone du tort moy le découpage administratif bi nga xamné mom lañ defone bu mu indi mordom en l'occurrence notre regretté et frère Malik Ba de Sangalkam. C'était un découpage non seulement non administratif mais purement politique et à l'époque c'était pour vraiment éliminer un adversaire politique gênant en l'occurrence Oumar Gueye. Et ça moi je crois que c'est lolu lu am la lu ñep xam la. La preuve bi nga xamé né président de la République Macky Sall jël na pouvoir bi en 2012 dafu né bu fekkone dañ mënon na délo wat commune yeb ni ñu mélone mu def ko ben entité kon lolou lay def mais comme lolou loi bi meunatu ko permettre mu def ko mais gox yi nga xamne ñun ñoko gagné won dafa jëlat Oumar Gueye ne len yeena gagné won seen gox ña fay nek yeen len fay tek ci lolou lañ jël commune Sangalkam. Oumar Gueye avait désigné Oumar Gueye junior commune ak Mariam Kone à Djahay commune enfin commune Tuaone Paul Niaga El Hadji Mbakhane Diop au niveau de Bambilor Ndiagne Diop nekkon fa et donc ci cadre bobu pour wané né président dafa mëso nek ci une dynamique pour en fait corriger l'injustice bi nga xamné Sangalkam subiron nak et c'est dans ce sens là que lañuy continuer di dem ba en 2014 ñu dem élection fekk ñew nañ ak ce qu'on appelle la communalisation intégrale bi nga xamé né président de la république indi nako ñu dem élection ci lañ nekké ay commune de plein exercice Sangalkam nek commune Bambilor Djahay ak Tuaone Paul Niaga donc commune yoy ñu nek fa di liggéey mais président de la république toujours ci souci de correction des incohérences territoriales mo indi peut-être tay mo indi ce rattachement là indi ces villages là dello ci ka Sangalkam parce que bu len faté né dès l'instant que yaangi joggé refuske bo accès pratiquement bo dépasser arrêt shérif ba exi rek pratiquement yaangi dugone ci commune Bambilor
nga dugg bambil dugg keur daw da sa dugg keur ndjaylo dugg dem ba aksi ba genn nouvel horizon dugg ndjahirat pas ndjahirat proprement ça mais cité Doudou Bass yaangi duggon ci yaangi ci commune Bambilor nga dugg ndjahirat Sangalkam Noflay nga yaangi ci commune Sangalkam nga genn fofu dem nak doora duggi commune Bambilor ça veut dire que ñun dañ doon joggé ci commune traverser toute une commune pour dem bok ci benen commune donc lolu c'était une incohérence territoriale notoire que ñepp gissone nañ ko maintenant comme le président de la république ni mu doon changer ci bi mu ñëwé indi na lolu si ñu indi la départementalisation de Kermassar c'est lañu jëlale ki loi bi vraiment def finalement rattaché ñu à Sangalkam maintenant lolu lu ngeen accepter le et que japp ngeen né man effacer oui non c'est à dire xam nga lolu bo xolé biñ koy défé nit ñi en fait population yi du lolu mo leen gënalon en fait buñ sañon dañu am seen commune bop mais comme lolu amul am indi nañ ñu def ñu Sangalkam ñu mu nekk nak maintenant une nouvelle commune bu am bu viable compétitif et porteur de développement comme Nico stipulé l'acte 3 de la décentralisation moi je crois que maintenant ce qu'il nous faut c'est aller ensemble en tout cas dans le cadre de notre parti l'alliance pour la République et dans le cadre de Benno Bokar pour que gis nañ na à moment donné Abdoul Aziz Seck daf né won day nek candidature la mairie bu Sangalkam entre temps dafa melni lolu nono xatna ben moment la won mais légui nekatu ko lan moko waral non j'ai dit que j'étais candidat pour la mairie de Sangalkam. En fait, vous savez, moi, je suis membre de l'Alliance pour la République, mais je suis membre de la convergence des cadres du parti. Et c'est dans ce sens-là aussi, au niveau de notre parti, on avait un panel de regrouper l'ensemble des candidatures à la candidature. Et moi, j'avais dit que moi, je vais être candidat à la candidature de la présidence du conseil départemental de Rufisque. C'est différent avec une candidature au niveau de la commune de Sangalkam. Mon parti a décidé maintenant de faire le choix parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la coalition Benno Bokar et des membres de l'Alliance pour la République qui sommes d'accord pour que le président de la République choisisse les responsables au niveau des communes et au niveau du département. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a désigné les têtes de liste au niveau de chaque commune et au niveau de chaque... Et quand... Absolument. Et quand il a choisi, moi en tant que responsable et militant discipliné, j'ai accepté la décision du président de la République. Je ne peux pas dire qu'ils sont pas ils sont indisciplinés, mais en tout cas, pour respecter en tout cas les consignes du parti et la directive du président de la République, parce que comme nous sommes d'accord pour qu'il choisisse, une fois qu'il choisit, nous devons être aussi d'accord sur ce choix-là. Voilà. C'est dans ce sens-là que moi j'ai accepté ce choix-là. Et là, je travaille avec le coordonnateur du parti, qui coordonne le parti dans le département. Je travaille avec lui, on est ensemble, on va travailler pour l'intérêt supérieur de notre parti et de notre coalition pour faire gagner. Parce que le plus important, c'est qu'on fasse bloc autour de l'essentiel pour qu'on puisse gagner ces élections-là. Et moi, je crois que c'est ça le plus important. Voilà, donc lolu man nañu tekil déjà que moy firndel sa dem bi and ak l'actuel candidat sortant pour la mairie de Sangalkam. Wow. En fait, mu dañ wax né lolu parce que déjà au sein de mon parti, j'ai écouté pas mal de responsables qui ont parlé avec moi dans ce sens-là. Et moi, je leur ai fait comprendre que moi, personnellement, qui me connaît, xamné chaque fois, je suis toujours lui défendre sa parti, avec lui défendre le président de la République. Vous me voyez partout, des fois, dans les plateaux de télé ou de radio, défendre la politique du président de la République, défendre la politique du chef de l'État. Je ne peux pas aller dans une liste concurrente une liste concurrente à notre coalition, c'est-à-dire aller carrément à l'opposition. Personnellement, je ne peux pas faire ça. Raison pour laquelle, moi, j'ai dit que je suis à Péris, je suis avec le président Macky Sall, je suis avec la coalition Benno Bokar, donc je reste dans cette dynamique-là. Raison pour laquelle nous avons intégré la coalition Benno Bokar avec à sa tête le
ministre Oumar Gueye, maire de Sangalkam et président du coordonnateur de l'Alliance pour la République dans le département de Rufisque, pour qu'ensemble, qu'on puisse aller travailler la main dans la main pour faire gagner notre commune au soir du 23 janvier 2022. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit que la situation est très bien. À un moment donné, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ci walu li nga xamanteni yeen mom ngeen beggone bokku ben mouvement bi ngeen xamne yeen dañu xëccio né fokk ngeen def sen kemp la katan pour que sen 5 villages ak cité yi ko composé nek sen commune bop en l'occurrence qui dit Papso tay mu nek candidat au jëm ci walu mairie bu Sangalkam ndax mën nga ñëk ak ñun ci ses relations actuelles. Parce que passé puis je peux ramener nous quoi, mais t'as dit il y a une relation que am à candidat Papso petit Sangalkam. En fait vous savez comme comme nous avons nous moment bini hier communalisation bi tout à fait au début 2013 am le moment y a ramené Pap donc bini y a ramené à une barre peut-être une bobo Papso ramgo quoi boba beaucoup nous on peut-être sorti combat bi au tout à fait au début mais bini ramené data à chaque nous l'outil barre net il est nous vraiment, pas de pour la communalisation. Donc maintenant, les dés sont. Bon, enfin, pas ni parce que nous, combat bi ñu combat la bo xamné bi dañ ci nek ñu ci bari fekk na bi muy ñew du man ma ka nek kay bok ci communalisation par la force da nañ ci waxtaan nak mais ci lolu aussi bi mu ñewé aussi mu ta am ci taxaway aussi hein quoi qu'on puisse dire mo amone ci taxawayam def ci limu wara def ba finalement nit ñi japp ci ñu and ba à la fin ñu japp né mom il peut être le candidat de la manam communalisation mais du ñep parce que gis nañ ni ñi nga xamné communalisation mo leen doon taxa xex ñu ci bari après dañu bayyi bi ñu amé lolu dañu bayyi delu ci wat repli ci seeni parti donc légui finalement mom il a opté carrément d'aller à l'opposition avec Yewi Askan wi donc finalement donc légui mëna wax né sur le plan politique bokkatu ñu yoon politique mais nous avons des relations. Waaw rela li ma mëna wax rek moy relation bi ma mëna xex ak pap moy relation bu baax une relation amicale parce que au-delà de la politique ay nous sommes des parents nous sommes voilà c'est un neveu pour moi c'est donc un ami aussi donc li ma mëna xam rek moy politique nak des fois day am des moments yo xamné da ngay and ak nit ki mo am des moments yi ngeen do xamné da ngeen di xajjalo pour des raisons purement politiques parce qu'en fait moi je suis dans un parti politique bu ñepp xamé moy APR avec le président Macky Sall avec ci lolu la doon dox goudi ak beccëk ñepp gis nañ ma je milite au niveau du département bokku ci cadre au niveau départemental bokku ci cadre au niveau national di ci def liguey bu am solo bokku ci club des débatteurs du parti au niveau de la convergence des cadres républicains en fait lool motax voilà nek un responsable du parti donc aujourd'hui biñu démé ba finalement pap ñom ñu décider vraiment pour dem carrément à l'opposition donc man personnellement je me suis dit man mënuma cheminer ak ñom dans l'opposition mais en fait donc, je reste dans bo moment bobu dañ tok tok rek gisatul la am ñu nan mais Abdul Aziz ci combat bi la bokkon a am mom ne dafa daw lool la non vous savez tu est-ce sais est-ce que da nga dawone non wala... mais je moi je pense que c'est ce qu'ils disent lolu c'est parce qu'ils n'ont rien compris en fait parce que man kuma xamné man j'ai pas peur de mes opinions j'ai pas peur de prendre position et quand il le faut je le fais moi je vous dis que depuis que je suis jeune j'ai toujours porté des combats politiques mais gars dañ wax pression bu metti mo non il y a aucune pression aucune pression du tout au contraire dama def combat bi fi di dem ci réunion di dem tout lu ne def na ko bok combat yi jeex bañu détacher ñu complètement indi ñu bolé ñu Sangalkam. Mais quand même, vous savez, moi aussi, j'ai ma vie à moi. Kharkanamu Gohbi, l'ignou, retard bu Gohbi am, vraiment, amnan ci yakar. Parce qu'avec lui, nous savons que c'est un grand travailleur. Et ça, wahumaka, parce que dama andak mom. Mais je crois que ne,
depuis 2012 bi Macky Sall fallo ba légui Omar Gueye est toujours ministre de la République da gis nañ né ministère yim jaar yépp def na liguey bu am solo raison pour laquelle aujourd'hui au moment où je vous parle légui moy ministre porte-parole du gouvernement de porter la parole du gouvernement et moi je crois que lolu c'est extrêmement important donc ko louté mënul wéssu lolu à l'image du à l'encontre du président de la République wa kangal kam dinañ ko wolo lolu pour le 23 janvier mais absolument absolument parce que sangal kam quand je dis sangal kam nak au-delà de Sangal Kam village bi nga xamné gis nañ xar kanam bi numu changer mais je sais que né avec la nouvelle configuration ouais non commune Sangal Kam sangal xam nga commune Sangal Kam aussi ñet Sangal Kam lañ koy jëmal ñetti dëkk rek la won Sangal Kam neuf lañ jëral affaire yi Sangal Kam ak Sangal Kam ci biir ki bi rek mais Sangal Kam ci biir sax mom da ngay waru non mais attends c'est à dire ma personnellement ya sax ay amna ay problème yo xamné xëñna man mënuma ci wax quoi ay problème digënté Sangal Kam Ndiakhéraar ak Noflay parce que ben commune la ñom gis nañ né Omar Gueye liggéey na fa ñom ñëpp ngi ci tek seen bëtt man dem na tay rek Ndiakhéraar ben dëj bu fa amoon vieux Sadio Thiombane yalla nako yalla yërem ta xaré ko aljana Firdaws moy sunu mak mo xamné mi ñun bi ñuy nekk ay tout tank ci politique ñom si mak ñu tété won c'est la bok ma ngi gis fofu tali yi dugg ci biir voilà. Donc yu bari mi ngi am fofu quoi donc li ñi ñaan dal moy yalla may ñu au soir du 23 janvier 2022 dimanche là Sénégal am maire bi gën ci Sangal Kam et je pense que le meilleur maire pour que Sangal Kam dans dem ci kanam moy le ministre Omar Gueye l'actuel maire de Sangal Kam dans le département de Rufisque voilà ñu koy voilà donc lolu la amone pour wax né ma ngi len di gërem yeen aussi Jander TV di gërem Info TV di wax né gox bi ñun ñëm ñoko bok limay ñaan moy nit ndam yalla mo am ndam kum ka jox nga am ko kum ka xagn nga am nga ñak ko yalla mi am ndam yalla ñu yalla may ndam kenn ku nek fo nek nga baña loru kanen aussi fu mu nek mu baña loru bu ko defé ñu andando ci jamm dem ci élection yi ci jamm yalla moy fal comme je l'ai dit kumu fal ñu xamné diw ki la fal ñu xamné mom la yalla fal ñu and ak mom ñu and liggéey parce que gox bi mo ñu ñor liggéey mo ñu ñor donc voilà mais lolu mo doon li nga xamné mën na ko di remercier aussi ñi nga xamné ñom la andal présentement di ci wallu wi dekk ci gox bi moy boudé Kër Daouda Sarr ñom bi nga xamné fa la dekk ñom Ndey Marem dem ñom Gor Gui Ba nga xamné ñu ngi am taxaway bu rafet wa ñom Elib cité Diola ak fami nek fofu yépp wax deug yalla xam nga ñu ngi am liggéey bu am solo bu nga xamné ñu ngi koy def fini à Kër Ndiaye Lo ay setu gey peul xam nga ñom mbey degen mbeng ñom yoro fal ñom ñepp ma ngi leen di nuyu aussi di leen wax ne nañ gëna taxaw gëna and gëna bolo nek bokk ndey bokk bay pour l'intérêt supérieur suñu gox bi pour que moy ñu and bolo parce que lolu bu amé rek dinañ am yaakaar ci ne mën nañ gagner élection yi te du am benn jafe-jafe loo xam ne mën naa ko wax di leen gërëm encore une fois di gërëm ñëpp di sant ñëpp voilà jërëjëf suñu invité seen troisième plateau bu plateau électoral ñu àndoon ci tey ak Abdoul Aziz Seck nekk responsable politique APR Kër Ndiaye Lo ngeen àndoon ci ak ñi di wa Jander TV ak Info TV bi nga xamante nak moy la télé des 3V vérifier pour vous la vérité par vous et pour vous sante len gërem len dig dajé benen plateau électoral inshallah jere ngeen jëf.